عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم فيها حول موضوع مادة الرياضيات، أي دراسة الدالة المستوى الثانية بكالوريا. إذن حتى لا أطيل عليكم سنبدأ بحول الله وقوته. إذن نعطيكم واحد الدالة اللي هي على الشكل التالي. إذن فوالا، عندنا إن دالة جي دو إكس إيكال إكس فوا x موانزا بلوس ln دو x، بطبيعة الحال فهي معرفة على المجال 0 بلوس لانفين. إذن لا بروميييغ دي شوز هي دو ديتيرميني جي بريم، يعني اون فا اتيدي سات فونكسيون. دونك اون فا كومونسي دابور باغ لا روشيرش دو لا ديريفي، ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أن الجي فهي قابلة للاشتقاق. إذن غنعطيكم السؤال، نكتبوا السؤال ثم سنجيب. إذن مونطري que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc je m'excuse si j'écris en abrégé pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà. Alors, la fonction g, d'abord, elle est une fonction dérivable. Étant donné que c'est une fonction composée de deux fonctions dérivables, voilà, cette fonction, elle est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Alors, pour cette fonction-là, elle est bien sûr dérivable sur son domaine de définition. Donc, je peux chercher dans ce cas G' de X. Voilà, la dérivée de X carré, c'est 2X. Donc, moins 1 plus 1 sur X. Alors, si je mets en même dénominateur, j'aurai 2X carré moins X plus 1 sur x. Alors si je cherche delta pour 2x carré moins x, donc je trouve 1 moins 4 fois a fois c, donc c'est une, ça me donne 1 moins 8, donc égal à moins 7, donc c'est négatif. Alors cela, ça prouve que 2x carré moins x plus 1, ça prend le signe de a, donc c'est toujours positif. Et par conséquent, g prime de x est strictement positif, donc g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, il a hawna ndiro jdwel tghayyurat lan ghay sa3dna f wahed omour sintaj. Donc adna g prime de x, g de x, donc le domaine de définition, donc c'est 0 plus l'infini. Donc la fonction, il était strictement positif. Donc ça veut dire quoi? Si je cherche g de 1, alors bien sûr la deuxième question, elle calculait g de 1 et en déduire le signe de g de x, bien sûr pour x strictement supérieur à 0. Donc d'après le tableau de variation, vous remarquez que g de 1, d'abord si je la calcule, je trouve égal à 0. Donc voilà, g de 1 égal à 0, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 jusqu'au 1, vous remarquez que g de x sera strictement inférieur à 0. Et pour x appartenant à 1 plus l'infini, on aura g de x est strictement supérieur à 0. Donc ça, c'est une méthode. Il y a d'autres méthodes, si vous voulez par exemple chercher g de 1 plus l'infini, vous allez trouver 0 plus l'infini. Et g de 0, 1, c'est moins l'infini, 0. Et dans tous les cas, vous remarquez que le signe de g de x, il est 1 négatif dans l'intervalle 0, 1, et les positifs dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et n'oubliez pas que g de 1 égale à 0, parce qu'on aura besoin. Maintenant, je vais passer à c'est la partie 1. Donc, on va passer maintenant à la partie 2. Donc, la partie 2, voilà. On vous donne une autre fonction, f de x égale x moins 1 au carré plus ln au carré de x. Alors, la première question,
on vous demande de déterminer les limites. Donc, petit a, il faut chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus et limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on va chercher donc cette limite. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est tout simplement la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins 1 au carré plus ln au carré de x. Ça, peu importe le résultat pour ce signe valeur, donc ça me donne 1. Alors, la limite, vous savez que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, cela veut dire que ln au carré sera égal à plus l'infini. Donc, limite de f de x lorsque tend vers 0 plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, bien sûr, même si on ne vous demande pas l'interprétation géométrique, vous pouvez dire que la courbe représentative admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc, si je cherche maintenant la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, donc, bien sûr, c'est égal à plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de x moins 1 au carré, c'est plus l'infini. Et limite de plus l'infini de ln au carré de x, c'est plus l'infini. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Donc, maintenant, je vais passer à la question B. On vous demande de montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et que f' de x égale à 2 fois g de x sur x pour x strictement supérieur à 0. Alors la réponse à cette question, donc vous savez que f est une fonction, voilà, composé de deux fonctions dérivables, deux fonctions qui fait correspondre x moins 1 au carré et dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et l'on est de même pour la fonction qui fait correspondre ln au carré de x et les dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, la composée de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Dans ce cas, je dis que f est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, il me reste de chercher la dérivée f' de x. Donc, je vais chercher f' de x, voilà. F' de x sera égal à quoi? C'est, je fais la dérivée, ça me donne la dérivée de x moins 1 au carré, c'est égal à 2. X moins 1 fois la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, il me reste 2 ln de x sur x. Alors, si je fais 2 en facteur, ça me donne x fois x moins 1 plus ln de x sur x. Donc, c'est bien égal à 2 g de x sur x. Alors, d'après ce que nous avons déjà conclu à propos de signe de g de x, alors je peux dresser donc dans ce cas le tableau de variation de f de x, à savoir, bien sûr, le signe de g de x. Voilà. Donc, on a ici ce 0 plus l'infini. Et on a dit que g de x s'annule au point 1. Ça veut dire que ici, g de x était positif. Et là, il était négatif ici. Donc, vous aurez votre tableau de variation de cette manière. Donc, à savoir, la limite de plus 0 plus c'est plus l'infini. Vous avez ici plus l'infini. Et vous avez f de 1 égale à 0.
Voilà. Donc, on a bien dressé le tableau de variation parce que c'est une question qui vient après. Donc, dressez votre tableau de variation. La question qui suit maintenant, c'est la question 2. On vous dit, voilà, montrer que la restriction de H dans la fonction est une bijection. Donc, c'est-à-dire, soit H, la fonction restrictive, ou bien la restriction de f sur le domaine 0, 1. Alors, on veut montrer que h admet une fonction réciproque h moins 1 défini sur un intervalle J qu'on précisera ou bien qu'on déterminera. Donc, ce sont des genres de questions qui se posent toujours de la même manière. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la première condition, c'est que H est une fonction continue sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire sur 0, 1. Et d'après votre tableau de variation, vous remarquez qu'elle est décroissante. Alors, dans ce cas, je dis que H admet une fonction réciproque. Je m'excuse si j'écris en abrégé. H moins 1 défini sur l'intervalle J qui n'est autre que H de I. Étant donné que I, c'est quoi? C'est H de 0, 1. Voilà. Donc, H de 0, 1. Voilà. Je cherche d'après le tableau de variation. Vous connaissez bien sûr H de 0, 1, c'est 0 plus l'infini. Voilà, si vous remarquez bien l'image de 0, 1, c'est 0 plus l'infini, puisque la fonction était fonction décroissante. Donc, je dis, voilà, c'est 0, H de 0, c'est H de 1 c'était égal à 0, voilà, et H de limite de H de X lorsque tend vers 0 plus autant égal à plus l'infini. Autrement dit, je peux même dire que H moins 1, elle est définie donc de l'intervalle 0 plus l'infini vers 0, 1 qui à tout X fait correspondre H moins 1 de X égale à Y. Alors, je vous conseille tout simplement de faire toujours cela parce que cela vous aide à déterminer H moins 1 de X si la question se pose. Alors, on va maintenant passer à une autre question, question 3. Donc, voilà, on vous donne soit U, la fonction définie sur l'intervalle 0, 1 par U de X égale H de X moins X. Premièrement, la première question, dresser le tableau de variation de H, de U, toujours sur 0, 1. La deuxième question, en déduire qu'il existe un réel A appartenant à R, un réel A, bien sûr, un réel appartenant, pardon, à l'intervalle de 0, 1 qu'on vous a donné, tel que H de A égale à A. Puis vérifier que A est compris entre 0,5 et 1. Alors, pour répondre à ce genre de questions, vous allez déterminer, on va traiter bien sûr le théorème des accroissements finis, mais avant de cela, on va étudier tout simplement la fonction. C'est-à-dire, on va chercher U' de X qui est égal à H' de X moins 1. Et comme H' de X n'est autre que F' de X,
f' de x est une fonction sur 0,1 était négatif, décroissance est négative, donc ça me donne u' est strictement inférieur à 0. D'où le tableau de variation sera de la manière suivante. Donc voilà u' de x et vous avez u de x. Donc toujours, n'oubliez pas, on travaille dans l'intervalle 0,1. Donc c'est votre tableau sera de cette manière-là. Donc ici, vous avez plus l'infini, ici, vous avez 0. Donc, pour répondre à la deuxième question, question B, on a U est une fonction continue sur l'intervalle 0, 1 et décroissante. Alors, et si vous cherchez l'image de l'intervalle 0, 1, ça vous donne 0 plus l'infini. Et comme 0 appartient à 0 plus l'infini, ça veut dire qu'il existe un certain log réel A appartenant à 0, 1, tel que U de A égale à 0. Alors, qui dit U de A égale à 0, ça veut dire que H de A moins A égale à 0, donc HA égale à A. Voilà. Donc, cela vous donne bien sûr, normalement, ça va nous permettre de déduire l'intersection de la courbe de f de x avec la droite x, c'est-à-dire il existe un certain A tel que f de x est égal à x. Donc, le but de cette question, c'est tout simplement lors de traçage de la fonction f de x, vous devez tenir compte qu'il existe un certain point A appartenant à R tel que f de x est égal à x. C'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction va couper l'axe delta d'équation y égale x au point A dont l'image est égale à A. C'est donc le but de cette question. Et pour vérifier normalement, il nous reste pour vérifier que alpha, que A est compris entre 0 et 1 et 1. Donc on va utiliser le théorème des intermédiaires ou bien des valeurs intermédiaires. Donc il suffit tout simplement de calculer U de 0,5 et vous faites le produit de U1 pour montrer ou bien pour vérifier ou bien pour s'assurer que cela était négatif. Ça, c'est la troisième condition pour dire conclure alors qu'il existe un certain A tel que A est compris entre 0,5 et 1 et vous avez U de A égale à 0. Alors voilà la réponse à cette question. Donc on va passer maintenant à d'autres questions. On va étudier ce qu'on appelle les branches infinies. Donc branches infinies. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce qu'on a déjà trouvé la limite de f de x sur x, f de x sur f de x lorsque c'est tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc on devra chercher limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors c'est quoi? Donc limite de f de x sur x lorsque tend vers plus l'infini, c'est bien égal à limite de quoi? De x moins 1 au carré sur x plus ln au carré de x sur x. Alors ça ne cause aucun problème parce que limite de x carré moins 1, c'est x carré moins 2x plus 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de x carré sur x, donc c'est plus l'infini. Donc il reste de montrer que la limite de ln au carré de x sur x, ou bien de trouver cette limite-là. Alors là, vous savez bien sûr que je peux faire une transformation. Je peux dire c'est ln de x fois ln de x sur x. De la même, je peux continuer, c'est-à-dire ln de racine de x au carré fois ln de racine de x au carré sur racine de x au carré. Sachant que ln de x à la puissance n est égal à n ln de x, à condition que x soit positif. Alors pour nous, racine de x est positif, donc je peux faire ces deux ln de racine de x fois l'autre, ces deux ln de racine de x. Il me reste sur racine de x au carré.
Donc on part ici de la limite, bien sûr. Donc c'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 4 ln de racine de x sur racine de x de tout au carré. Alors vous pouvez même poser t égale à racine de x. Vous savez que lorsqu'x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, cette limite là sera égale à limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 ln de t sur t. Donc c'est bien égal à 0. Et par conséquent, la limite de f de x sur x lorsque tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Dans ce cas, je dis que cf admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY. Donc il ne me reste simplement que de tracer la courbe. Donc c'est pour cette raison que je l'ai tracé à l'avance. Pour, je vais vous montrer seulement ce que vous devez faire, tout simplement. Idem, vous avez F. Donc vous avez, voilà, j'ai tracé à droite l'équation y égale à x, et je vous on a montré que f de x est égal à x pour x égale à a, c'est-à-dire voilà le point a tel que a est compris entre 1,5 et 1. Donc dans ce point-là, donc vous avez f de a égale à a. Voilà. Donc la courbe, d'après le tableau de variation, c'est déjà, on a montré qu'il est entre 0 et 1, et les croix sautent, et entre 1 et plus l'infini, elle est croissante. Et on a dit que f', la dérivée s'annule au point 1, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale au point 1. Voilà. Donc la courbe sera de cette manière. Alors, pour vous, que la courbe soit bien correcte, donc essayez de prendre quelques points, comme j'ai pris moi aussi. Donc j'ai cherché f de 2, donc j'ai trouvé 1,5. Je trouve f de 3 égale à 5,2. F de 2,5, j'ai trouvé égal à 3. F de 2,25, donc j'ai trouvé égal à 2,2. Alors, vous allez vous aider de ces points-là, bien sûr, pour tracer votre courbe comme il le faut. Voilà. Donc, la dernière question, c'est de tracer la courbe représentative de la fonction réciproque h-1. Bien sûr, on l'a dit que la fonction h-1 est définie de 0 plus l'infini vers 0, 1. Donc, voilà la courbe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de faire la symétrie de la courbe en question de la courbe F. Dans la courbe F, on a cherché de 0 jusqu'au 1, donc jusqu'à ce point. Donc, j'ai tracé la fonction, voilà, la symétrie de cette partie-là de la courbe C de F entre 0 et 1. Voilà sa représentation, ou bien sa symétrie par rapport à l'axe Y égale X. Ça me donne celle qui est ici en vert. Donc voilà votre courbe CH-1, donc la fonction représentative, bien sûr. Donc ce sont les questions qu'on pose généralement le jour de l'examen. Donc essayez de répéter, bien sûr, cet exercice et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse, bien sûr, comprendre. Alors, il ne me reste que de vous remercier, bien sûr, de votre attention. Et si vous allez, bien sûr, si vous voulez faire d'autres exercices plus difficiles que ça, vous allez, bien sûr, entrer dans ma chaîne maths et physique en poche, et vous allez directement sur ma playlist concernant les fonctions, et vous allez trouver un tas de problèmes, bien sûr, plus difficiles et plus nécessitant, bien sûr, une certaine compréhension et une certaine concentration. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance, et je vous dis à bientôt.